Bonjour à tous, c'est CBMAT et bienvenue pour un nouveau Let's Math. Let's Math numéro 27. Et aujourd'hui, nous allons aborder le concours Kangourou 2016. On va aborder donc le sujet C, donc sujet destiné pour les 4e et les 3e. Alors comme d'habitude, pour ce genre d'épreuve, on va laisser Virginie lire les questions et ensuite, je vais répondre aux questions dans l'ordre chronologique du sujet. Allez, c'est parti. On va commencer donc l'épreuve. 1. Combien y a-t-il de nombres entiers entre 17,03 et 20,16? A. 0. B. 1. C. 2. D. 3. E. 4. Alors, nombre entier entre 17,03 et 20,16. Donc, 17,03, donc le plus proche entier, ça va être 18. Ensuite, 19. Ensuite 20 et 20,16. Donc on va entourer les entiers, donc 18, 19 et 20. Donc il y a 3 entiers entre 17,03 et 20,016, donc réponse D. 2. Lequel de ces 5 panneaux a 4 axes de symétrie? Alors, on va prendre la règle. On va essayer de tracer les axes de symétrie. Donc, il y en a un là, ici, il y en a un là, ici, ben, ça va être des médiatrices, trois axes de symétrie. Alors, ici, il n'y a pas d'axe de symétrie, non, parce que les flèches ne sont pas symétriques, et ici, on a un axe de symétrie ici. Alors vous allez me dire, mais là on n'a pas tracé tous les axes de symétrie. Et non, on a tracé tous les axes de symétrie en B, en C, en E et en D. Et ici, eh bien, on a cet axe de symétrie et cet axe de symétrie. Donc, réponse A. 3. Lola obtient 1 kg d'abricots secs à partir de 5,5 kg d'abricots frais. Combien faut-il de kilogrammes d'abricots frais à Lola pour obtenir 6 kg d'abricots secs? A. 30 kg. B. 30,3 kg. C. 30,5 kg. D. 31,5 kg. E. 33 kg. On peut faire un tableau de proportionnalité. Abricot sec. Abricot frais. Donc à partir de 5,5 kg d'abricot frais, on peut faire 1 kg. D'abricots secs, on nous demande combien faut-il d'abricots frais pour faire 6 kg d'abricots secs. 6x, donc règle de 3, x est égal à 6 fois 5,5, et donc ça ne va nous faire 0, on retient 3, 6 fois 5, 30, 33. Donc réponse E. 4. Laquelle de ces fractions est la plus proche d'un quart? A. 1 demi. B. 1 tiers. C. 1 cinquième. D. 1 sixième. E. 1 septième. Un quart, ça va être 0,25. 0,25, là ça va être 0,33, 3,3, et là 0,2. Voilà. Donc, un quart est situé entre un tiers et un cinquième. Le plus simple, c'est de comparer les écritures décimales. Donc 0,333 moins 0,25. Donc ça va faire 0,08. Et 0,25 moins 0,2, ça va faire 0,05. Donc la plus proche, c'est bien réponse C. 5.
avec tous ses cubes, Kangoo a fait 55 tours de 9 cubes. Il les renverse et fait des tours de 5 cubes. Combien de tours fait-il alors avec tous ses cubes? A. 5. B. 11. C. 45. D. 90. E. 99. 55 tours de 9 cubes. Donc 55 tours. Donc 55 tours de 9 cubes. Donc il y a au total 495 cubes. Ensuite, il fait des tours de 5 cubes. Donc 495 divisé par 5, ce qui nous donne 9, 9 fois 5, 45, il reste 4, 45, 9, 99. Alors ça c'est une méthode. Deuxième méthode, on aurait remarqué que 55 est égal à 5 fois 11, donc 55 fois 9 est égal à 5 fois 11 fois 9, et si on fait des tours de 5 cubes, il nous restera 11 fois 9, on pourra faire 11 fois 9, 99 tours de 5 cubes. Donc, réponse E. 6. L'image représente une table pour 4 convives. Combien d'interversions couteau, fourchette faut-il faire au moins, pour que chaque convive ait son couteau à droite de son assiette et sa fourchette à gauche? A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. E. 5. Alors 6, l'image qu'on va peut-être agrandir. Hop. On veut savoir combien d'interversions il y a couteau fourchette faut-il pour que tous les convives aient le couteau à droite et la fourchette à gauche. Donc déjà on en repère une là. Donc là, couteau il va aller là, la fourchette elle va aller là, en gauche droite. Et bien entendu, dans ce sens là, là c'est la gauche, là c'est la droite. Gauche droite, ici gauche droite. Donc il faudra déplacer celle-ci pour avoir gauche et droite. Donc, réponse B. 7. Julien doit ajouter 26 à un certain nombre. Il se trompait, au lieu d'ajouter, il soustrait 26. Il trouve 14. Quelle réponse aurait-il dû obtenir? A. 40. B. 52. C. 58. D. 66. E. 78. X. X plus 26. X moins 26. Donc X moins 26 dans cet énoncé va valoir 14. Donc X moins 26 égale à 14. X égale à 14 plus 26. Ce qui nous donne 40. Et donc ensuite il faudra ajouter 26. Donc 40 plus 26 pour trouver le nombre qu'il. Donc 40 plus 26, 6 et 6. Donc réponse D. 8. Un rectangle de 20 cm sur 10 cm est découpé en parties grises et blanches comme le montre la figure. Quelle est l'aire grisée? A. 50 cm carrés. B. 80 cm carrés. C. 100 cm carrés. D. 120 cm carrés. E. 150 cm carrés. Donc ici, pour ce qui est des parties grises et parties blanches, on remarque que la partie grise, on peut la transposer ici. Celle-là, ici. Celle-là, ici. Celle-là, ici. Celle-là, ici. Et celle-là, ici. Si bien que tout le rectangle, enfin tout le carré de gauche sera colorié en gris et le carré de droite est colorié en blanc. Donc quelle est l'aire grisée? 20
fois 10. 20 fois 10, c'est égal à 200. Donc, la moitié de 200, c'est égal à 100. Donc, réponse C. 9. Quatre villes P, Q, R et S sont reliées par des routes, voir la figure. Une course cycliste doit partir de Q et arriver à S, en passant une fois et une seule sur chaque route. Combien y a-t-il de parcours possibles pour la course? A, 2, B, 3, C, 4, D, 6, E, 8. Alors, on commence par sur le point Q. Il faut arriver en AS. Donc, on peut commencer par ici, par là. Donc là, c'est le premier chemin. Et ensuite, ici, on a deux choix possibles. On peut partir vers R et on peut partir vers Q. Donc là, il y a deux choix possibles. Donc, 1, A, B. Pareil. Ici, si on prend le chemin 2, on va vers S. Ensuite, on a deux choix possibles. Donc, 1AB, 1AB, 2AB et 3AB. Donc, combien y a-t-il de chemins possibles? 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc 6. Il y a 6 chemins possibles. 10. La figure montre quatre rectangles identiques dessinés à l'intérieur d'un carré. Quel est le périmètre de ce carré, sachant que le périmètre de chaque rectangle est 16 cm? A, 16 cm. B, 20 cm. C, 24 cm. D, 28 cm. E, 32 cm. Alors 10, on va agrandir la figure. Alors, on sait que le périmètre de chaque rectangle est 16 cm. Alors, il y a différents choix possibles. Le périmètre du rectangle, c'est 2 grand L plus petit L est égal à 16, donc grand L plus petit L est égal à 8. Alors, différents choix possibles. Grand L est égal à 7, petit L est égal à 1. Grand L est égal à 6, petit L égal à 2. Grand L est égal à 5, petit L égal à 3, et que c'est tout. Alors, on verra que, indépendamment du choix de grand L et de petit L, la réponse sera la même. Donc, ici on va prendre peut-être, alors on va sûrement prendre, on va prendre cette option-là, 6 et 2. Donc ici 6, 2, 6, 2, 6, 2, 6, 2. Quel est le périmètre de ce carré? Donc 8 plus 8 plus 8 plus 8. Donc 8 fois 4, 32. Et pourquoi le choix, ce choix est donc grand la réponse E est valable pour toutes les possibilités grand L est égal à 7, grand L égal à 6 et grand L est égal à 5 parce que en fait on a juste à faire 8 pattes grand L plus L 4 fois et grand L plus L est égal à 8 donc ça fait 4 fois 8 égal à 32 donc réponse E. 11. Au collège Louison Bobet, 45 professeurs viennent à vélo, ce qui représente 60% du total des professeurs. Par ailleurs, 12% des professeurs viennent en voiture. Combien de professeurs viennent en voiture? A, 4. B, 6. C, 9. D, 10. E, 12. 60% des professeurs viennent en vélo et ils représentent 45 professeurs. 6, 45, 60 et 100. Donc ça c'est le tableau de proportionnalité qu'il faut faire. Donc c'est 45 fois 100 divisé par 60. Ou 45 fois 10 divisé par 6. Donc 45, 460, 450 divisé par 6. Alors 45 divisé par 6.
Ça va nous donner 7 et 5. Donc 75. Donc il y a 75 professeurs au collège Louison Bobé. Donc 12% viennent en voiture. Donc là maintenant, hop, 75, 100, 12. Donc il faut faire 75 fois 12 divisé par 100. 75 fois 12 divisé par 100. Alors, 75 fois 10, 750, plus 75 fois 2, 150 divisé par 100. Alors, 75, ça fait 900 divisé par 100, ce qui va nous faire 9. Ouais, c'est ça. Donc, réponse C. 12. Quelle est la somme des deux angles X et Y marqués sur la figure? A. 150 degrés. B. 180 degrés. C. 270 degrés. D. 320 degrés. E. 360 degrés. On a 90 ici. Donc la somme des deux angles ici va valoir donc y bar x bar. Donc x bar plus y bar est égal à 90. Or, x plus x bar plus y bar, ça va être égal à 180 fois 2, donc 2 fois 180, 360. Donc x plus y, c'est égal à 360 moins x bar moins y bar, ce qui fait 360 moins 90, ce qui donne 270. Donc réponse C. 13. Les résultats d'un tournoi par éliminatoire, quart de finale, demi-finale, finale, sont les suivants. Pas forcément donnés dans l'ordre. Basil Baziz, Karl Badani, Galelba Henri, Galelba Karl, Karlba Basil, Enzo Bafranchi, Galelba Enzo. Qui ont été les deux finalistes? A. Galel et Henri. B. Galel et Karl. C. Karl et Basil. D. Galel et Enzo. E. Karl et Dani. Alors ici on va faire un graphe. F, G et H. Et on va mettre une arête à chaque fois que un joueur bat un autre adversaire. Donc Basile bat Henri. Karl bat Dani. Gaël bat Henri. Bien entendu, alors, oui, ce que j'ai pas dit, c'est que bien entendu, les lettres A, B, C, D sont les débuts des prénoms. Donc, Basile bat Aziz, Karl bat Dani, Gaël bat Henri, ensuite Karl bat elle, bat Karl, Karl bat Basile, Enzo bat Franck, Enzo bat Franck, Gaël bat Enzo. Voilà. Et donc, qui a été en finale? On compte 1, 2, 3. 1, 2, 3. Qui a été en demi-finale? Qui a été en demi-finale? Basile et Enzo. Donc, réponse Gaël, Karl, B. 14. Charlotte a collé ensemble 6 cubes comme montré ci-contre. Elle regarde sa création sous tous les angles. Laquelle des 5 vues suivantes ne peut-elle pas voir? Donc, ici, A, B, C, D, E. On ne pourra pas. Charlotte ne pourra pas voir la réponse B, car ici, il n'y a pas la même rotation sur ce cube-là. Ici, il n'y a pas la même rotation. Donc, ici, ce sera la réponse B. 15. Tim, Tom et Jim sont des triplés. Leurs frères John et James sont des jumeaux de 3 ans de moins. Lequel de ces nombres ci-dessous
Peut-être la somme des âges des cinq frères? A. 86. B. 87. C. 88. D. 89. E. 90. Alors, Tim, Tom et Jim sont des triplés. On va noter X, l'âge de Tim, Tom, Jim. Et leur frère John et James ont 3 ans de moins. Donc, X moins 3. Donc, l'âge de James et de John. Donc, l'équation à résoudre. Donc, comme ils sont 3, il y a 3x. L'âge de Tim, Tom et Jim. Donc, il y aura 3x plus 2x moins 3. C'est-à-dire, donc si on développe, 3x plus 2x moins 6. Ça fait 5x moins 6. Donc, alors, ici dans cette liste, on peut avoir donc 5 fois 19, ça fait 95. 95 moins 6, 95 moins 6, 89. Donc, réponse D. Ce sera la seule réponse parce que, et de toute façon, il n'y en a qu'une, parce que si, par exemple, si on prend 90, 90 moins 6, ça va nous faire 84. Et 84 n'est pas dans la liste. Donc, la seule réponse, c'est bien. La réponse D, 89. 16. Un sac contient 49 perles bleues et une rouge. Combien de perles bleues doit-on enlever pour que le pourcentage de perles bleues dans le sac devienne 90%? A. 4. B. 10. C. 29. D. 39. E. 40. On note X, le nombre de perles à retirer. Ici on aura 49 moins x, donc la proportion de perles bleues, c'est 49 moins x, sur 50 moins x est égale à, donc comme il doit être à 90 sur 100, donc 90 sur 100, donc le pourcentage de 90%, le pourcentage de perles bleues dans le sac devient 90%, donc 90 sur 100. Donc ça veut dire 50 moins x fois 90, égal à 50 49 moins x fois 100. Donc ici 4500 moins 90x est égal à 4900 moins 100x. Donc 100x moins 90x est égal à 4900 moins 4500. Donc ça veut dire ici 10x, c'est égal à 400. Donc x est égal à 40. Donc réponse E. 17. Une bande de papier, de 3 cm de large, possède une face blanche et une grise. Marie la plie comme le montre la figure. Les trapèzes grises sont tous identiques, et les dimensions sont données sur la figure. Quelle est la longueur de la bande de papier initiale? A. 48 cm. B. 54 cm. C. 57 cm. D. 60 cm. E. 81 cm. Et donc là, on va calculer la longueur de la bande de papier dépliée. Alors, on a 3 cm ici, donc ici, si on déplie, on aura 6 cm. Ici, 3. 3 cm. 3 cm. Ah oui. Alors, ici, on a 3 cm. 3 cm. 3 cm. 3 cm. Et 3 cm. Donc, on veut savoir quelle est la longueur du trait rouge. Ici, ici
ici. Donc, trait rouge, c'est 27. Donc, la longueur du trait rouge, 27 moins 1, 2, 3, 4, 5. Donc, 5 fois 3. Bien entendu, il y en a 1, 2, 3, 4 divisé par 4. Donc 27 moins 15, 27 moins 15, ça va nous faire 12 divisé par 4. 12 divisé par 4, 3. Donc 3, ici on a 3, 3, 3, 3, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc 15 fois 3 est égal à donc 5, 45. Et bien entendu, il faut rajouter les bandes de 6 cm, la longueur de 6 cm. Donc 45 plus 12, c'est égal à 57. Donc réponse C. Réponse C. 18. Deux kangourous, Kangle et Rourou partent ensemble, du même endroit, dans la même direction. Ils font un saut par seconde. Kang fait des bonds réguliers de 6 mètres de long. Rourou fait un premier bond d'un mètre, le second de 2 mètres, le troisième de 3 mètres et ainsi de suite. Combien de bonds faut-il à Rourou pour rejoindre Kang? A. 10. B. 11. C. 12. D. 13. E. 14. Donc, on va noter n, le nombre. Le nombre de bonds donc n le nombre de bonds. Bien entendu, quand ils se rejoindront, ça va être 6n égale à 1 plus 2 plus 3 plus etc. etc. plus n. Il y a une formule qui permet d'avoir les n premiers nombres entiers, la somme des n premiers nombres entiers, c'est-à-dire donc c'est n fois n plus 1 sur 2. 6n. Alors maintenant on résout cette équation. Donc 6n fois 2, 12n, est égal à n au carré plus n. Si on divise n différent de 0, donc si n différent de 0, on peut diviser par n, on aurait 12 est égal à n plus 1. Et donc n est égal à 12 moins 1, c'est égal à 11. Donc réponse 19. Il y a 20 élèves dans la classe, assis par deux. Exactement un tiers des garçons sont assis à côté d'une fille. Exactement la moitié des filles sont assises à côté d'un garçon. Combien y a-t-il de garçons dans la classe? A. 9. B. 12. C. 15. D. 16. E. 18. Noter x, le nombre de garçons dans la classe, on va devoir résoudre donc un tiers des garçons sont assis à côté d'une fille et la moitié des filles sont assis à côté des garçons. Donc x plus 2x sur 3 égal à le nombre total d'élèves, 20. Donc 3x plus 2x sur 3 égale à 20. 5x égale à 60. Et x est égal à 60 divisé par 5. C'est égal à 12. Donc B, réponse B, 12. 20, 5 points A, B, C, D et E sont donnés, avec les distances qui les séparent. On trace 5 cercles de centre respectifs A, B, C, D et E de telle sorte que deux cercles,
dont les centres sont joints par un segment, voire figure, sont tangents. Quel est le centre du plus grand de ces cercles? A, A, B, B, C, C, D, D, E, E. Une configuration. Configuration à prendre. Donc A, on met 10 cm. Ici on met 10 cm. Ici 10 cm. Ici donc on aura 4 cm. 4 cm. Ici 9 cm. 9 cm. Donc 17 moins 9, on aura ici 8 cm. 8 cm, 14, 6 et 6. Donc le cercle le plus grand, le cercle le plus grand est le cercle de centre A. 21. La montre de Théo retarde de 10 minutes, mais lui pense qu'elle a 5 minutes d'avance. La montre de Léo avance de 5 minutes, mais lui croit qu'elle retarde de 10 minutes. Ils regardent leur montre au même moment. Théo pense qu'il est midi. Quelle heure Léo pense-t-il qu'il est? A. 11h30. B. 11h45. C. Midi. D. Midi 10. E. Midi 30. Ici, on a affichage d'un monde de Théo. Heure réelle. Et heure de Théo. Heure de Théo. Donc, Théo pense qu'il est midi. Donc, il pense qu'il a 5 minutes d'avance, donc il est 11h55 en fait. Mais comme la montre retarde de 10 minutes, on a 11h45. Affichage de... Donc de Léo, l'heure réelle et l'heure de Léo. Donc en fait il est 11h55. Et alors quelle heure Léo pense qu'il est? Et en fait ici la montre va afficher midi. Et lui croit qu'elle retarde de 10 minutes, donc pense qu'il est 11h45. Donc réponse B. 22, 12 filles se retrouvent à la crêperie. Deux d'entre elles ne prennent qu'une salade. Chacune des autres prend une ou deux crêpes. En moyenne, le groupe a consommé une crêpe et demie par fille. Combien de filles ont pris deux crêpes? A, 2. B, 5. C, 6. D, 7. E, 8. Comme il y a deux filles qui ne prennent pas de crêpes, ça veut dire que au total toutes les filles, donc les 10 autres filles, ont pris 15 crêpes. 15 crêpes. Ensuite, on va noter soit x le nombre de filles qui ont pris deux crêpes, qui ont pris deux crêpes. Donc la moyenne, elle est égale à 1,5, donc la moyenne c'est 2x. Ensuite, le nombre de filles qui n'ont pris qu'une crêpe, bah, c'est 10 moins x sur 12. C'est égal à 1,5. Donc 2x moins x plus 10 est égal à 1,5. Fois 12, donc 12 plus 6, 18. X égale à 8. Donc il y a 2 filles, 8 filles qui ont pris 2 crêpes. 8 filles qui ont pris 2 crêpes. 23. Les 14 cubes de cette pyramide sont numérotés par des entiers différents strictement positifs. La somme des numéros des 9 cubes du bas de la pyramide vaut 50. Pour chaque autre cube, son numéro est la somme des numéros des 4 cubes situés juste en dessous.
Quel est le plus grand numéro possible pour le cube duo? A. 110. B. 114. C. 116. D. 118. E. 120. Alors ici, on va noter les... Là, c'est la case centrale. Et donc, on va noter les nombres qu'on peut mettre dans l'étage en dessous, l'étage inférieur. Sachant que le cube central sera noté 4 fois parce qu'on va faire 1. Ensuite, on va prendre la somme de ce nombre-là. Ensuite, la somme de ce nombre-là. Et ici. Donc nous avons intérêt de mettre le nombre le plus grand au milieu pour maximiser la somme. Et les nombres un peu plus grands sur les 4 cases que je montre ici. Donc 4 cases, ici on pourrait mettre 5, 6, 7, 8. Non, 5, 6, 7, 8. Et maintenant on peut placer 1, 2, 3, 4. Donc 1, 2, 3 et 4. Donc ici, la somme des cases ici va valoir 50. Donc 50 moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6, moins 7, moins 8. Donc ça, c'est une formule. 8 fois 9 divisé par 2, c'est égal à 50 moins 72 divisé par 2, donc 36, ce qui est égal à 14. Donc ici on a 14. On peut vérifier. 14, 20, 28, 35, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 et 50. Bien, alors, explication de la correction du numéro 23. Donc, on prend l'étage inférieur et donc on remarque que donc, la somme de tous les nombres va valoir 50. Les nombres sont des entiers différents. On voit que la case centrale va être sommée 4 fois pour la valeur du cube en haut. Et les 4 cases, ici, vont être sommées 2 fois. On voit dans la somme. Donc, ici on prend, donc on va prendre 5, 6, 7 et 8. Et on maximise 14. Donc on maximise la case en faisant donc 50 moins 1, moins 2, moins, etc., etc., moins 8. Et ça va nous valoir 50 moins 36, c'est égal à 14. Ensuite, on fait la somme de chaque carré, carré rouge, carré bleu, carré vert et carré noir. Ici, on trouve 26, 28, 33 et 31. Et quand on somme les 4 cases, les 4 nombres, on trouve 118. Donc, réponse D. 24. On construit un cube 3 fois 3 fois 3 avec 15 cubes tout noirs et 12 cubes tout blancs. On voit 5 des faces du grand cube. Quelle est la sixième face? Bien, donc pour la 24, la sixième face va être la A. Si on fait, donc, on représente un cube, un patron de cube, on place les 5 faces et on regarde la sixième face qui va être donc la réponse A. 25. Loulou apporte des gaufres à 3 princesses. Il en a entre 60 et 80 dans son panier. Avant d'entrer chez chaque princesse, un lutin l'attend, qui mange la moitié du contenu du panier. Quand il sort de chez la troisième princesse, il n'a plus de gaufres et tout en ont eu le même nombre. Quel est ce nombre? Donc on va mettre X, le nombre de gaufres. De gaufres donnés par princesse. Donc, on va noter P3, P2, P4,
P1, donc là c'est le nombre de princesses. Donc avant, il va. C'est ça, avant d'entrer chez chaque princesse, il y a un lutin qui l'attend et qui va manger la moitié du contenu. Donc là, on lui donne X. Le lutin, il double, 2X. On lui donne, pour P2, on va vers 3X. En X, donc lutin 2, on double, 6X, 7X et 14X. Donc, il a entre 60 et 80. 60 et 80, donc le seul multiple de 14 qui est entre 60 et 80, c'est 14 x 5. 14 x 5, c'est égal à 70. Donc, Loulou va donner 5 gaufres à chaque princesse. 26. Le cube magique 6 contre est divisé en 64 petits cubes. Un seul de ces petits cubes est gris. À la fin du premier jour, tous les voisins du cube gris sont devenus gris, deux cubes sont voisins quand ils ont une face commune. À la fin du deuxième jour, tous les cubes gris ont, de même, rendu gris leurs voisins. Et ainsi de suite. Combien reste-t-il de cubes blancs à la fin du cinquième jour? Bien, donc on va donc représenter les 6 faces du cube. 1, 2, 3, 4. Donc là, on a représenté les 4 étages du cube, sachant que le cube va se remplir. Donc croix noire, début. Donc c'est le début. Au premier jour. Colorer les voisins et l'étage au-dessus. Ensuite, deuxième jour, ici, qui colorer les voisins et le cube qui est un étage en dessous. En vert, donc troisième jour, donc on colorie les voisins. Et on colorie celui qui est en dessous. Quatrième jour, donc là on va noter en noir. Quatrième jour. Ici. Donc là, 1, 2, 3, 4. Et le cinquième jour, donc en rouge. Cinquième jour. Ici. Là. Ici. Voilà. Donc il va nous rester. Donc il va nous rester. Donc, une case ici. 2, 3, 4, 5. Donc 5 plus 1, 5 plus 1, 5 plus une case, donc des cubes blancs. Donc 5 plus 1 cube blanc, c'est égal à 6. Donc il va rester 6 cubes blancs. Bien voilà pour le kangourou 2016, donc sujet C. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Vous pouvez mettre aussi un pouce en l'air. Si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez poster un commentaire. Et si vous voulez suivre l'actualité de la chaîne YouTube CDMAN, vous pouvez vous y abonner. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine.